On avait un client, c'était un restaurant, et on organise un concours sur Facebook qui part ultra viral. C'était une stratégie en fait qui était enseignée dans la formation de Tai Lopez, qui était d'offrir le service de ton client et de le booster sur Facebook pour que ça parte viral. Donc nous on fait un truc assez stylé, on offre un repas à volonté pour toi et tes 4 meilleurs potes dans le restaurant. Et on prend une photo de genre plein de bouffe et on dit ouais, partage ça sur Facebook, machin, t'as une chance de gagner. Le truc il fait 200 000 impressions. Ce qui est juste dingue, sur la ville de Lausanne, il n'y a même pas 200 000 habitants. Donc, c'est littéralement toute la ville est au courant de ton resto maintenant. Et là, moi, j'arrive trop content et je lui montre le truc du concours et il me fait « Ah, ok, rien à foutre ». Pour lui, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui arrivait dans le resto et qui disait « Je suis là à cause de Facebook », il voyait les 500 balles qui partaient tous les mois et il calculait pas trop. Et donc, du coup, j'étais un peu frustré et je me disais « Si seulement je pouvais utiliser mes compétences dans la publicité Facebook », pour vendre mes propres produits. Je me posais des questions et y a les vacances qui arrivent, on met un petit peu en pause notre business pendant les vacances. Et en août, pendant les vacances d'été, je tombe sur une pub sur YouTube d'un mec qui est blond, un ricain, qui dit dropshipping, dropshipping, dropshipping. C'était Alex Baker. Mais à l'époque, il vendait des formations sur le dropshipping. Et du coup, j'achète sa formation.